L'Égypte ne fera pas flotter sa monnaie tant que les réserves de change n'auront pas atteint 25 ou 30 milliards de dollars. Cette annonce, faite par Tarek Amar, le gouverneur de la Banque centrale, a surpris de nombreux analystes. Pour ces derniers, soumettre son taux de change à celui du marché pourrait ramener les investisseurs étrangers en Égypte et faciliter les importations dont le pays a besoin. Plongé dans la conjoncture depuis la chute de Moubarak en 2011, l'Égypte refuse de baisser son taux de change malgré la pression du marché. 4 bureaux de change viennent d'être fermés pour avoir vendu des dollars à des taux non officiels.